Et salut la compagnie, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test du jeu tant attendu sur PlayStation 4 de Horizon Zero Dawn, édité par Sony, développé par Guerrilla, sortie officielle le 1er mars 2017. Et Peggy nous le déconseille au moins de 16, superbe note de 17,5 sur 20. Enfin, un jeu qui, on peut le dire, je pense que c'est le premier gros blockbuster que l'on attend pour cette année 2017. Donc, comme je vous l'ai dit, développé par Guerrilla, donc très connu en tant que développeur du jeu Killzone, cette grande saga aussi exclue Sony, qui m'a transporté dans diverses histoires aux commandes de Templar, le fameux protagoniste de Killzone. Mais bon là, on va pas parler de KZ, on va parler donc de Horizon Zero Dawn. Déjà, il est sacrément beau, gros point positif. Que vous dire, sans plus attendre, bon ben du coup, passons au menu avant de parler un petit peu du gameplay. Donc là voilà, donc déjà nous avons la map, donc là je dois être à combien d'heures de jeu? Je dois être à 6 ou 7 heures. Vous voyez le peu que j'ai fait, quand je dis le peu, c'est par rapport à tout ce qui reste encore de la map à découvrir. En même temps j'essaie de tout faire point par point, donc je mets un petit peu de temps pour discover. Du coup, donc parlons déjà des compétences, arbre de compétences avec 3 branches. Le style rôdeuse, brave et survivante. Oui, tous ces noms de branches d'arbres sont employés au féminin, car le protagoniste est une protagoniste, elle se nomme Aloy. Je vous en parlerai brèvement plus tard. Donc voilà, le style rôdeur, vous voyez que c'est plutôt tout ce qui va concerner ce qui peut être les attaques silencieuses, bullet time et autres, avec du coup diverses upgrades en avançant dans la branche en question. Le brave, donc du coup, on est plutôt pour surtout des attaques critiques, du corps à corps hein, et du brise-garde. Et pour ce qui est du survivant, c'est tout ce qui va regrouper sur la faune et la flore pour avoir plus d'espace, enfin accélération de soins, plus de ressources quand on fouille. Enfin voilà, j'essaie de pas spoiler davantage, il faut vraiment que vous testiez ce jeu, croyez-moi. Pour l'inventaire, voilà, nous avons donc divers menus, les armes, les tenues, des modifications qui peuvent être ajoutées aux tenues. Pour exemple, vous voyez qu'il y a différentes tenues avec chacune ses effets. Elles ont leur bonus et leur malus. Voici une tenue qui est faite exprès pour la discrétion, une autre qui est faite exprès pour le combat rapproché, une autre qui est anti-effet. Vous voyez qu'il y a plusieurs effets, donc ça, les deux lances croisées, ce sont les dégâts au corps à corps, les dégâts de feu, les dégâts de gel, les dégâts électriques et les dégâts de corruption. Donc voilà, ces modificateurs vous permettent de les augmenter. Le sac à ressources qui vous permet d'être du coup d'améliorer pour du craft ou même à la revente chez les marchands. Des petites boîtes à trésors que vous pouvez trouver par-ci par-là et même chez les marchands. Une fois qu'elles sont ouvertes, vous voyez tout ce que vous pouvez récupérer. Des objets spéciaux qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur votre map en fait. Ces objets violets me permettent du coup d'avoir tout ce qui est affiché ici en fait. Puis qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc les munitions. Mais ça peut se régler directement durant l'interface de gameplay. Et enfin l'artisanat qui est assez important. Ça vous permet donc du coup d'augmenter votre capacité de stockage. Ainsi que bon ben voilà, que ce soit pour les munitions ou les objets. Les kits de déplacement car vous pouvez vous TP. Les TP, du coup, pendant que j'y suis, autant que j'en parle brièvement, vous avez des missions, donc ça c'est dans l'onglet quête, vous avez les grands coups qui sont en gros des gros dinosaures mécaniques, ça aussi je vais en parler de qu'est-ce que c'est que ces dinosaures mécaniques, pourquoi ils sont là. En fait, il faut les pirater. Le but est de grimper, d'escalader ces gigantesques monstres mécaniques. Et après, ils vous servent en fait sur la map de checkpoint en fait. En plus des feux que vous pouvez allumer pour sauvegarder, ils vous servent aussi de checkpoint. Et ces fameux sacs de voyage vous permettent, en gros, vous claquez un sac de voyage pour ensuite vous déplacer sur la carte qui est assez immense. En plus des missions principales et des missions annexes, vous avez donc du coup différentes
tâches qui vous sont données avec des niveaux. À droite, par exemple, vous voyez 617 pour le deuxième, 116 pour l'autre, 3138, c'est le nombre de pas que je dois faire en fait pour l'atteindre. V, bon, ben, c'est quand c'est validé forcément. Vous avez après des activités, des tirs à la cible, de la chasse. Les creusets que je viens à peine de débloquer. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Et encore autre chose, donc avec une carte et une cible, donc je pense que ça doit être une pseudo chasse au trésor. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc du coup voilà. J'essaie juste de me fier au dessin que je vois. Donc je n'ai pas tout débloqué, vous voyez le nombre de choses qu'il y a à faire. Et le didacticiel qui reste passif, mais si vous le faites, vous gagnez de l'XP supplémentaire. C'est tirer avec l'arc, faire retomber des machines avec des câbles électriques, etc. etc. Bon, donc du coup, on va revenir au jeu et bah déjà autant déjà activer une quête et y aller directement. Donc je ne vais pas faire de la principale pour pas trop spoil. J'ai débloqué le creuset, bah on va voir ce que c'est directement. Je le pointe et on y va donc du coup directement. Bon, du coup, alors, rendons-nous vers ce creuset. D'après ce que je sais, apparemment ce sont des portes qui sont dans la montagne, donc ça aussi il va falloir que je vous explique qu'est-ce que c'est que la montagne pour les indigènes et autochtones de ces contrées, de ces fameuses terres sacrées que l'on traverse. Oh, tiens un troupeau. Je vais pouvoir vous montrer un petit truc. Pendant que j'y suis, vous voyez que là, en fait, j'ai mes armes et je peux re-augmenter en fait, les munitions avec les ressources que je récupère. Donc c'est un petit peu le gestionnaire en fait de l'armement en fait. En appuyant sur la touche L1, vous pouvez du coup configurer ce qui vous convient. Donc du coup voilà, permettez-moi donc du coup de vous parler plus brièvement. Oh ça, je vais pouvoir récupérer les capsules qui sont sur leur dos. Ça, on peut les récupérer uniquement en tirant dessus. Donc après voilà, il y a différentes bestioles mécaniques, des pseudo-dinosaures, que bah, des machines, ça doit sûrement être des machines qui les créent. Et du coup, on va voir, le jeu va nous pousser, va nous faire avancer, nous montrer de quoi il en retourne, vraiment éclaircir ce gros mystère. Pour une fois que j'arrive enfin à faire une explosion câblée. Non, parce que franchement, cette arme, j'arrive pas du tout à la manier, quoi. Le petit bullet time. Oh putain, si en plus il se décale juste à la fin. On va refaire du câblage. Hop. Oh non, putain, pas dans le cadavre. Oh bon, ben, faut que je me recule. Petit slide avec carré pendant que vous sprintez. Et non, mais j'y crois pas. Il s'amuse à esquiver mon câble, quoi. Enfin bon, donc du coup voilà, on incarne en fait Aloy qui est à la base une paria, donc c'est-à-dire, entre guillemets, dites-vous que c'est une sans-famille, elle n'est reconnue par personne en fait. Et elle ne peut donc du coup se déplacer librement sur ses terres. Au final, elle va passer le rituel de ce qu'ils appellent l'éclosion. Je parle de tous ces indigènes qui, eux, se font appeler les braves, qui, eux, donc, du coup, sont reconnus par le cœur mère, comme ils disent. Donc, c'est une espèce de divinité, quelque chose qu'ils vénèrent. Et dans le jeu, je constate qu'en fait, on est amené devant une porte mécanique, en fait, et du coup, la porte, en fait, veut juste nous identifier avec une analyse rétinienne, ADN. Et en fait... merde, mais j'ai pas l'arc, là, en fait. Oh, putain. Voilà. Et du coup, bah, cette porte qui nous parle, bah, tous ces indigènes pensent que c'est un dieu qui leur parle. Bon, moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu attardés et que derrière ces portes, en fait, il y a encore des gens bah, qui vivent à l'époque moderne. On est plus dans un univers post-apocalyptique où la nature a repris ses droits parce que la machine a dépassé l'homme. Et du coup, bah, c'est la machine qui règne et l'homme qui est traqué, en fait. Donc, du coup, une fois ce rituel de l'éclosion passé chez ces braves, Aloy Paria devient en fait une brave et est nommée au rang de chercheuse, qui du coup lui donne le droit de se déplacer partout où elle désire afin de faire des recherches et de faire découvrir, de faire éclater la vérité sur mais qu'est-ce qu'est le cœur mère, qu'est-ce qui s'est passé avant, le temps, voilà ce qu'ils appellent eux le temps des machines, le temps des anciens. Donc du coup à voir. Cette chose je ne l'avais jamais affrontée avant, cette espèce de serre mécanique là. Enfin bon. Du coup
Là, du coup, mon but, bon, ben, c'est de faire différentes missions pour ramener la vérité, en fait, la découvrir surtout. Voilà, j'ai récupéré des plantes. Ça manque même ma petite barre verte en dessous de ma barre de vie, en fait. Et à chaque fois que je fais la flèche du haut, cette barre verte diminue pour que ma barre rouge re-augmente, en fait. Le petit plus, en fait, c'est que j'ai aussi. Le petit plus vert, c'est que cette barre verte est déjà complétée une seconde fois, en fait. Donc, dès qu'elle sera vide, le plus sera enlevé, j'aurai à nouveau une barre verte. Récupère absolument tous les items au sol parce que ça vous permet vraiment de crafter tout simplement, hein, sinon vous n'aurez pas de munitions. Du coup, après, le jeu porte un bon intérêt avec le focus. Donc voilà, c'est ce que vous voyez. Avec R3, en fait, je peux donc du coup voir à travers les plaines, marquer des cibles comme ce sanglier. Et le focus lui offre en fait la possibilité de voir les mouvements des adversaires, leurs déplacements, vu que ce sont des machines, elles sont automatiques, elles ont un rituel de passage programmé, et donc du coup vous pouvez donc du coup savoir où est-ce qu'elles vont aller, comment vous déplacer, afin de ne pas vous faire remarquer, etc. Donc là, je me dirige donc du coup vers ce fameux creuset, donc qui est une porte dans une des montagnes, et je pense que ces portes-là, c'est la frontière entre le monde moderne et ce monde. Je pense qu'ils doivent être, je sais pas, observés, ces types-là. Enfin, j'en sais trop rien. Je me dirigeais vers le creuset, mais là, vous voyez, j'ai une nouvelle mission qui arrive. On va voir ce qu'il veut. T'as l'air d'une guerrière, c'est pile ce qu'il nous faut. Mon imbécile de chef nous a donné la mauvaise caisse. Elle était étiquetée munitions, mais c'était des cannes de rivage. Sans munitions, on n'arrive plus à repousser les veilleurs. Et c'est pas le pire. Je vous aiderai de mon mieux. Ravi de l'entendre. Bon, en même temps, on n'a pas trop le choix. Si elle décide d'aider, normalement, on a des réponses à choix multiples. Ça nous permet après de choisir, du coup, un petit peu des réponses violentes, des réponses de raison ou vraiment des réponses de compassion, qui elles sont caractérisées par un point pour la violence, la raison pour le cerveau et la compassion avec le cœur. Bon, là on se fait attaquer, on va essayer de faire déjà des premiers barrages. L'électricité, bien sûr, stoppe directement, fait un espèce de court-circuit, un IEM sur ces machines et l'explosion, vraiment de plus gros dégâts. J'ai des flèches de feu qui mettent des dégâts de feu sur la durée. Là on va essayer vraiment de les démonter. Donc, du coup, dans ce creuset, d'après ce que je sais, ce poulet est vraiment trop bizarre. On dirait une espèce de vieux chocobo mécanique. Alors là, je fais avec la fronde jette des petites ogives de gel pour essayer de le ralentir. Ça lui fait pas beaucoup de choses. Enfin voilà, et dans ce creuset, on verra bien. Après, en fait, c'est un petit peu comme à l'Assassin's Creed quand on découvre des temples. En fait, il va falloir escalader un petit peu partout jusqu'à trouver apparemment le cœur du creuset. Et je ne sais pas ce qui se passe par contre quand on découvre le cœur, donc je le découvrirai en même temps que vous. Mais apparemment, les creusets sont assez longs à parcourir et comme mes tests durent généralement moins de. Font environ une vingtaine de minutes, je pense que je scindrai ma vidéo en deux et je vous retrouverai plutôt vers la fin. Putain, ce poulet ne veut pas crever quoi! Il suffit de le demander. Après, point négatif, comme vous avez pu voir dans les dialogues, je trouve que y a certaines animations faciales qui sont vraiment très sommaires en fait. C'est limite si. Ils ont pas d'émotion quoi, les types. Après, l'IA humaine, un petit peu, est à déplorer. Parce que franchement, comparé à l'IA mécanique, les humains, on peut s'en faire une ribambelle sans crever quoi. Ces bestioles là sont vachement plus complexes à affronter. Ils sont vachement chauds. Après, ce qui est chiant après le slide, c'est qu'elle redémarre directement accroupie. J'aimerais qu'elle sprint quoi juste après. Et bon, ça, il faut. Ça met du temps quoi. Oh, et en plus, si lui me tire de loin. Non, après, comme différentes armes, vous avez vu, j'ai l'arc de chasseur. Je peux avoir aussi un arc de précision qui fait beaucoup plus de dégâts. J'ai la lance câblée que vous voyez à mes pieds. J'ai ma propre lance pour des coups au corps à corps avec R1. Et la fronde qui envoie des boules de gel ou d'électricité. Et en fonction, après, vous pouvez leur mettre les modifications que je vous ai montrées avec rajouter genre plus de jet, d'électricité ou autre. Oh là là. Oh, je pensais l'avoir ralenti, mais finalement, ça l'a carrément tué. Bon, parfait. J'ai gagné un niveau supérieur, j'ai gagné un point de compétence, c'est cool. Bon, je t'ai sauvé.
Non, après, sinon, quand même, le gameplay reste quand même assez intuitif, vous inquiétez pas. Puis après, quel point positif je pourrais citer? Ben, les quêtes annexes, franchement, il y en a par centaines. Le cycle jour-nuit est plutôt beau, et ça tombe bien parce que le soleil se couche, comme vous pouvez le voir, on a un visuel assez rougeâtre qui se pointe à l'horizon. Ensuite, les musiques sont vraiment sympas, très très immersives, et puis ce côté open world, la vasticité de la map est incroyable. Donc franchement, c'est tout à son honneur, et puis bon, depuis le temps que Guerilla ne faisait plus rien, quoi, on se disait, un nouveau Killzone, bah non, j'ai déjà vu des chasseurs de un Horizon Zero Dawn plus que prometteur, quoi, 77,5 le prouve. Tu nous as sauvé la vie. Chef, les noyaux sonores ont disparu. Quoi? C'est impossible, à moins que Dirid les ait pris. Quand la première vague a attaqué, un de nos hommes a filé, Dirid. Je l'ai pris pour un lâche. Apparemment, c'est un voleur aussi. Il doit pas être loin. C'est vrai, mais on n'est pas en état de le poursuivre. Après, dès que vous avez terminé une quête, une suite de quêtes peut s'enclencher. Vous n'avez pas, non, genre, une espèce de quête, une fois fini, ça y est, vous passez à autre chose. Ça peut enclencher sur une suite de quêtes avec de plus en plus d'XP à la clé. Et ça, c'est plutôt sympa. Et croyez-moi, comme les missions principales et les annexes montent très vite en niveau, croyez-moi, le jeu va vous pousser à faire vraiment tous les petits challenges et autres qui peuvent vous faire prendre de l'XP. Je suis certes niveau 15, je dois avoir fait à peine 3 missions principales et la troisième me demande déjà le niveau 12. Donc c'est pour dire, je suis à 6-7 bonnes heures de jeu, je suis niveau 15. Donc c'est pour dire que le niveau ne monte pas spécialement très vite. Mais au moins, tant mieux, il vous fait découvrir la map et vous fait améliorer votre gameplay. Le feu ici, avec triangle pour une sauvegarde rapide, carré pour une manuelle, qui vous fait directement aller dans votre menu. Voilà, en haut, l'espèce d'arc bleu, ça veut dire que je ne l'ai pas fait vu qu'il n'est pas vert, c'est des défis à l'arc, des défis d'armes en fait, qui vous font gagner plus d'XP, ou même en fonction de votre temps. On va enclencher le focus pour les marquer. Ça va, c'est des veilleurs, c'est pas non plus très 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 chaud. Du coup, voilà, et en fonction du temps que vous mettez à faire ces défis, ben vous gagnez des petits coffres en fait. Donc ça c'est vraiment sympa, système de récompense à la clé, c'est super sympa. Ça met en jeu vraiment le côté compétitif. Oh merde, putain, j'ai même pas calculé le rocher quoi, je suis vraiment un abruti. Il y en a un petit peu plus qui sont arrivés là, il y en a deux au fond là. Et il décale sa tête pendant le bullet time quoi, je me fais humilier ma parole quoi. Allez. Voilà, crève. Ouais, on va se protéger un peu, on va commencer à mettre du câble. Ah, franchement, le jeu va vous faire utiliser tout votre arsenal. Et ça, c'est bien, croyez-moi. Allez, tu vas aller prendre tes flèches. Donc voilà, la porte du creuset est ici, hein, ça se voit, hein, ça a pas du tout la même technologie. On voit très bien que c'est mécanique, c'est pas la nature qui nous a fait cette porte très très symétrique. Putain, mais à chaque fois ils font un bond pour vous attaquer, donc n'hésitez pas à vous mettre vraiment loin de votre câble pour qu'ils puissent vraiment se le prendre. Sinon, une fois trop près de vous, ils vont vouloir vous bondir dessus et par conséquent esquiver le câble. Allez, approche. Voilà. Eh oui, quand on se recule, c'est plus simple. Après, le jeu va pas vous pousser à fuir, mais vous allez souvent être en infériorité numérique, car généralement, bah, les monstres se déplacent en meute. Et du coup, en fonction de vos talents, de votre skill, peut-être, juger la fuite comme solution prioritaire peut être aussi une bonne alternative. Rentrons donc dans cette porte, on va voir ce que ça nous donne. Allez hop, c'est parti. Ça, c'est de la porte. Mais comment ça s'ouvre ? On va pirater. Donc j'ai un petit appareil de piratage sur ma lance que j'ai récupéré sur une espèce de dinosaure mécanique qui arrivait à corrompre d'autres dinosaures pour qu'il l'accompagne. Enfin, j'appelle ça des dinosaures, mais bon. Bon, ça n'a pas du tout la même dégaine, hein. Ah, là on reconnaît un peu le côté Killzone, hein. Vous savez, cette espèce de côté triangle. Oh merde. Putain, je me suis... Fallait sûrement faire une manip, j'ai vu qu'il y avait une touche QTE à faire.
Et j'ai pas calculé, putain, je suis vraiment con. Non, voilà, après on reconnaît cet aspect. Cet aspect assez killzonesque quand même, franchement. Non, et puis il tient ses promesses, franchement, graphiquement, il est vraiment magnifique. Je pense qu'on est sur le plus beau jeu 2017 pour l'instant. J'avais pas vu ça depuis Uncharted 4 ou Final Fantasy ou même Sniper Elite qui m'avait vachement plu. Bon, c'est vrai qu'en descendant en mode tyrolienne là, avec un grappin, c'est plus pratique. Ça a l'air intéressant. Ces coffres sont bizarres. Oh, il y a beaucoup de choses dedans, c'est parfait. Bon, du coup, on va un petit peu avancer. Est-ce que j'ai quelque chose autour de moi? Mon focus ne me dit rien, on va continuer. Ah ouais, ça fait vraiment l'antre de la machine. Ce truc ressemble à un tuyau triangulaire. À quoi ça sert? Oh merde, putain, mais j'avais pas vu qu'il y avait un ennemi. Shut down. Donc voilà, on va scanner les environs pour pas se faire reprendre deux fois par surprise, comme ça. Bim. Oh putain, je pense avoir visé bien sa tête, hein, mais faut croire que non. Non plus. Ok. Allez, arrête de bouger. Putain, c'est ouf hein, qu'il me fallait du bullet time pour lui faire un headshot. Hein. Je suis vraiment mauvais, ma parole. Non, après, par contre, la protagoniste est super charismatique, je trouve, franchement. Vous l'incarnez au début quand elle est vraiment jeune, durant son apprentissage. Mais elle est. Ah ouais, c'est une vraie conne capricieuse quand elle est gamine. Mais après, quand elle est plus grande, bon, après, comme vous choisissez ses chaudes réponses, bah, en gros, vous la faites devenir un peu. Pas comme vous le sentez, quoi. Non, franchement, le jeu de lumière après est très très bien fait. J'aurais pu partir sur un espèce de vidéo test où est-ce que je vous montrais plus le côté open world, mais je pense qu'il y aura énormément de tests qui va déjà faire ça. Et puis après, on a fait une mission secondaire là juste avant, donc autant se consacrer sur le creuset. Bon, je vais continuer un petit peu d'explorer. Je scinde la vidéo en deux et on va se retrouver un petit peu après. Parce que là, je pense que j'en ai encore pour un bon petit moment à ce que j'ai pu lire sur les différents tests et sur ce que j'ai appris du creuset. Donc on va se retrouver vers un moment un petit peu plus... Bon. Non, c'est pas un ennemi en fait. Voilà, vers un moment avec un petit peu plus d'action. Alors croyez-moi, j'ai plutôt bien fait d'avancer parce que je suis mort un nombre incalculable de fois en tombant dans le vide. Il y a de plus en plus d'ennemis. Je suis à 87 pas de mon objectif, donc ça sent la fin. Mais là, ça devient de plus en plus chaud, donc vous avez vraiment pas raté grand-chose. C'est juste des phases d'escalade, uniquement. Bon, après, les phases d'escalade, c'est assez simple, parce que c'est vraiment montré par des choses jaunes fluo. Donc après, vous avez qu'à faire un grapp avec croix, et ensuite, directement, je peux m'en sortir. Avancer, en fait. Vous maintenez le joystick vers le haut, et automatiquement, elle fait des jumps, en fait. Elle va escalader. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme adversaire? Voilà. Et qu'est-ce que c'est ce machin? Oh! Oh, ça commence à être tendu ça. Toi, tu crains le feu? Pas le moindre, ok. On va essayer de la. Oh là là. Enculé, mais ça lui fait rien! Oh, j'ai des ennemis partout! Non, mais ouais, elle me dit pas que je vais crever maintenant quand même. Allez, voilà. On y va un peu tout ça. On s'écarte un peu. Du coup, il est rapide le bâtard. Aïe. Voilà, parfait. Mon câble la touche en plein milieu. Allez, allez. Avance, enfoiré. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai tout eu. Non, il en reste deux au fond. Oh putain, j'en ai marre qu'ils escaladent ce vieux câble là. J'ai l'impression que ça sert à rien comme arme quoi. Ah, voilà, enfin, au moins un qui se le prend. Et toi le dernier. S'il avait concentré son tir, j'aurais été sonné pendant je ne sais combien de temps. Et en plus de faire mal, ça désoriente quoi. C'est l'équivalent d'une GSS d'un Counter-Strike quoi.
Ou plutôt d'une grenade paralysante dans Call of. Oh, et puis merde, on n'est pas là pour parler d'autres jeux. Bon, on récupère tout ça et on va avancer du coup. Alors. Bon, ça n'a pas l'air d'être ici. C'est en haut. Et ici, c'est le vide. Non. Bon, alors on va revenir en arrière. Je pense qu'il doit y avoir un autre chemin. On va récupérer ça. J'en aurais sûrement besoin. Non, après, je le redis encore. Ah bah bingo, le chemin est là. On est vraiment sur un jeu graphiquement magnifique. Mais c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de... En fait, c'est un peu con. On peut pas dire qu'on s'attend pas à ça de la part de Sony ou même de Guerrilla, qui... Guerrilla est un développeur génial, fidèle à Sony, et puis Sony qui, quand il met les moyens, peut obtenir des jeux vraiment oufissimes. Non, franchement, c'est une... Non. C'est un super jeu au final. Et... Non, c'est vrai que bizarrement, je pense que les gens devaient en attendre beaucoup de ce jeu. Et pour la plupart, j'espère et je pense qu'ils ne devaient sûrement pas s'attendre à tout ça. Bon, alors, allez, on se rapproche de plus en plus. Ça y est, je pense que je suis sur la lane finale. Là, je crois que j'ai trouvé le petit chemin pour y accéder. Donc voilà, le but, c'est donc du coup de traverser le fameux creuset. Et de trouver... Donc vous voyez, voilà, ça c'est ces prises jaunes dont je vous parle. Et là, je reste juste avec le joystick haut et ça fait le boulot. Donc du coup, voilà, il faut trouver à chaque fois le cœur. Mais apparemment, il y a des choses différentes à chaque fois qu'on trouve un cœur. Et j'ai pas voulu me spoiler moi-même et je ne sais pas ce qu'il y a à la fin. Donc est-ce qu'il y a un super cadeau ou je sais pas, pourquoi pas un super méchant. Oh, ce serait ouf qu'il y ait des boss à la fin quand même. Non, parce qu'après, non seulement la faune et la flore sont occupées, enfin, c'est occupé par des IA, certes, mais il peut y avoir aussi des monstres bien supérieurs qui se cachent en plein milieu de la carte, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Des fois, tu t'attends à aller chasser un truc tout simple, et là, tu tombes contre une espèce de world boss, tu te dis, oh putain de merde. Bon, allez, je crois que ça y est. Oh, c'est quoi ça? Ici que les machines sont créées, sculptées par la lumière. Il y a des signaux dans tous les sens. Bon, ok. Ah, mais il y a des ennemis en plus. Donc les machines seraient créées dans les creusets. J'étais persuadé que c'était des humains un peu comme nous, à l'époque moderne, qui étaient en train de construire des trucs. Bon. C'était juste à faire, mais bon, oui. Inutile au final. J'ai récupéré tous les objets. Aïe, ouais, bon, j'y reviendrai une autre fois. Le champ UM m'en empêche. Faisons le tour, il doit y avoir sûrement un endroit où aller. Ça, ça a l'air bloqué. Là aussi, eh ben. Il doit y avoir sûrement un truc, un endroit où on pourrait grimper, je pense. Des prises jaunes. Allez, X, cherche. Ah ben. Là-bas, non. C'est par là. J'ai pas vu un truc jaune, là, vers là. C'était assez brillant. Putain, pour ceux qui doivent regarder le test et qui l'ont déjà fait, à ce moment, ils doivent se dire, ah putain, mais il est con, il est aveugle. S'il faut, c'est devant lui. Ah ben. Autant pour moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je viens de le voir, c'est sur ce pylône-là. Désolé, désolé. Bon, allez, grimpons. Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Bon, je m'y attends un peu, hein. Je suppose que cette grosse machine qui est en train de se faire construire va être interrompue. Elle va... Du coup, elle n'aura pas reçu son code protocolaire. Elle va devenir vilaine, m'attaquer. Oui, en plus je descends, donc je suis pas en hauteur, c'est génial. Ok, et en plus il y a des ennemis sur le côté gauche. Ok, c'est super. Alors on va essayer déjà de niquer les petits mobs avant le boss. C'est bien connu, technique RPG. Bon, les points faibles sont assez visibles de son côté. Par contre, il a une allonge au lance-flamme. Oh, il saute en plus le bâtard.
Je vais essayer de miner un petit peu tout l'endroit. Il m'a enlevé déjà une barre de vie, le bâtard. Oh putain, enculé. Oh, je perds trop sur la durée. Heureusement que j'ai ma petite trou. Oh putain. Ah, oh, ben vous voyez le tir concentré, ce que ça met. Ben voilà, c'est ça. Vous êtes complètement désorienté, vous pouvez pas courir. C'est une folie, elle se met la main devant la tronche. Elle est en mode j'ai mal à la tête, il me faut une aspirine. Ok, bon, je fais du critical à 35 en visant le point faible. On n'est pas dans la merde. On va tenter les autres trucs, hein. Allez hop, on va tenter les. S'il veut bien. Ok, l'IEM. Oh, ça a l'air peut-être un peu de marcher. Ça a l'air de l'avoir calmé. On va essayer de le geler maintenant. On va le ralentir. Vous voyez, il fait du double effet. Triple effet maintenant. Je lui fais un méli-mélo gourmand dans la gueule. Faut juste que je me fasse pas. Oh putain. Putain, c'est ouf quand même. Eh, les boss, ils sont tandax dans ce jeu. Tant mieux, vous allez me dire. T'es même pas la moitié de sa vie. J'ai beau courir, il va falloir forcément que je slide. Si je me cache ici, ça fait quelque chose. Ok, oui, ça fait quelque chose, ça fait rien du tout, oui. Oh mon dieu, vous êtes en sécurité nulle part. Décidément, les mines câblées, c'est mon ami. C'est mon seul ami. Aïe, 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 aïe. Moi, je vais dans les flammes comme un abruti. Oh, esquivé. C'est bon, il en a au moins activé, il en a au moins touché un. Ça lui a plutôt fait mal. Je vais tester ça là, mon lance-câble. Je vais essayer de le foutre au sol avec assez de câbles pour le frapper. C'est bon, il est tombé. Allez, maintenant il faut faire du R1 pour du coup critique. Bam! Allez, je l'enchaîne au corps à corps un peu. Et je me casse. Je vais me barrer. Voilà, on va le remettre au sol, hein. Ça a l'air d'être la technique qu'il faut faire. Hein. Oh putain. Oh. Il est mort? Ah oui. Ah, mais il s'était pris mon autre mine câblée. Oh nice. Putain, j'avais bien fait de le mettre. Cool. Bon, avant de pirater le cœur, je vais récupérer déjà ce qu'il y a. Oh putain, en plus, c'est du épique, c'est du violet. Déchirure. Hein. On verra ce que ça donne. Bon, et bien alors c'est ça que nous avons dans les creusets. Putain, mais c'est fou. Et dire que ça, c'est un creuset de niveau 8, quoi. J'étais 15. Oh là là. Bon, la difficulté est au rendez-vous. Hein. Pour précision, je suis en mode normal. Franchement, c'est assez ouf. Hein. C'est incroyable. Hein. Franchement, le creuset, je dis banco. Ah. Bon, et bien écoutez, mais sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. En espérant que pour le peu que je vous aurai montré, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais je vous ai dit, je veux pas spoil, franchement, procurez-vous ce jeu si vous avez une Play 4, c'est affolant. Du coup, ben, j'espère que mon test vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à ciao tout le monde.